Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes, petite run de Binding of Isaac, peut-être. Ou pas, on verra si je la supprime ou pas. Si elle passe le crash test ou pas. Binding of Isaac, avec Maggie, aujourd'hui, nous allons essayer de faire, comme à notre habitude, un saut à Sheol. Alors... Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est restart. Restart. J'étais pas motivé là, j'étais mal barré. Donc nous avons droit à une librairie et à un shop. Un item room ici, bon bah 10 bombes c'est déjà ça de prix. J'irai bien à la librairie si le jeu m'en reste les moyens. Le dégât était complètement absurde. Je regardais l'heure qu'il était au lieu de regarder le jeu comme un imbécile. Le boss est là. Alors, faut péter une clé. Au point où j'en suis, on s'en fiche. Les dégâts. Premier étage. De toute façon, comme d'une autre. Hein. De toute façon, le premier étage, il y a une chance sur 100 dans tous les cas de figure. Quoi qu'il se passe, il y a qu'une chance sur 100 d'avoir une... D'avoir un... Un deal avec Satan. Reliver. One again. Freestyler. Tout seul. Comme as. Bon bah moi je prends avec grand plaisir. Reliver. Two damage up avec un... Enfin deux cœurs de plus. Avec je sais plus, je crois qu'il y a un très léger augmentation de dégâts aussi. Genre 0,3 ou un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, déjà les deux. Enfin, je suis pas certain de ce que je viens de braver là, mais. Dans tous les cas de figure. Bon, je sais. Ça. Je veux pas. Hop. Je veux pas, merci. Mais bon, Reliver, ça fait quand même deux cœurs de plus. Direct, là, j'ai envie de dire que je suis. Sur une run qui part en mode plutôt tanké. Et pin en boss, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Aïe! Ah ça c'était vraiment mal joué de ma part, j'ai pas regardé où... Et ça c'est récurrent avec moi, Pin, je me prends toujours un dégât tout con, je sais, qui atterrit au pire des moments, en général. Ah, j'en ai pris deux, ça c'est mauvais. C'est comme ça que je vois mes. Enfin ma. Mon aptitude à jouer aujourd'hui. C'est suivant comment Pin me touche. Et là je me suis touché deux fois, c'est-à-dire que je suis pas en forme. Mais... C'est un peu dommageable. Enfin, j'ai pas les réflexes qui sont bien aiguisés. Et c'est dommage. Voilà. Mom Coin Purse. Bon, on va essayer. J'ai 3 piles, j'ai 4 piles différentes. Première pilule. Balls of Steel. Deuxième pilule. Beatdown. Alors là, c'est très mauvais ça. Cool Else. Ouais. Et. Puberty. Ce qui sert à rien. Le Speeddown me pose quelques soucis parce que j'étais déjà pas très rapide. Et là, je suis encore moins.
tout le reste c'était bien, mais Speed Down là est une mauvaise. Est un mauvais calcul là, c'est, ça va me poser quelques petits soucis. J'ai encore une librairie. Ici. On va essayer. Je peux pas esquiver correctement avec ma vitesse de tortue. Je vais avoir besoin de ça, je le sens. J'ai envie de dire qu'une bombe pour 8 cents, ça le fait. Presque assez pour le shop. Ah, un rocher noir, enfin un rocher gris. Et en plus une pilule et plein de bonnes choses. Ça avant de me prendre une vieille boulette. Lockdown. Bon. Clé. Bien, je vais pouvoir aller ici. Kamikaze. Kamikaze, non. Non, non, clairement pas. En plus, qu'il revienne, je vais le prendre et je vais enlever. Disparu des items. Alors, speed down, non merci. Je l'ai prise, mais j'utiliserai pas, hein, vous inquiétez pas. Enfin, en théorie, sauf si je derp et que je me gourre encore de touches, parce que bon, voilà. C'est mon grand classique, ça. A besoin de clé, très très fort, très très beaucoup. C'est une run assez statique et une run qui promet d'être assez longue parce que j'ai un speed, enfin je suis lent de base avec Maggie et là en plus j'ai eu un speed down alors. Et j'aurais pas de clé dans cet étage, ça c'est vraiment dommage. Attendez, petite coupure. Désolé. Donc c'est avec grand désespoir que je vais laisser ce shop et cette librairie. Sans pouvoir y toucher, je pense. À moins qu'on ait la. J'ai la chance d'avoir la box. Si j'ai la box, ça me fera une clé. J'irai ouvrir la. Ah putain, Black Widow. Pourquoi Black Widow? C'était tellement bien parti. C'était tellement bien parti. Et là, ça va tellement être la merde, je vais tellement perdre de la vie là-dedans. Je vais tellement prendre des dégâts. Tellement la crotte que c'est. Oh, je déteste Black Widow. Pourquoi Black Widow? Pourquoi cette version championne de merde? Oh, mon dieu. Oh putain. Oh cette chaleur quoi. Ah, bon, je suis sorti, mais c'est rare que je m'en sorte aussi bien. Bien. La marque. J'avais besoin d'un speed up. Alors, de toute façon, il peut pas me plaindre. Hein. Bon, Sister Maggie, par contre, je m'en fiche. Par contre, je me sens un peu mieux là en termes de vitesse de déplacement. C'est quoi? Ah oui, c'est Kamikaze. Oui, je veux pas Kamikaze. C'est marre.
Ah, c'est un cœur complet. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était un Eternal Heart. Salle secrète. 10 pièces. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir Flat Penny. Flat Penny qui est un item qui est comme Burnt Penny. Qui quand on chope un. Enfin quand on chope des items. Enfin des pièces, on a une chance sur deux de dropper une clé dans le 4 Flat Penny et une bombe dans le 4 Burnt Penny. Bon, bah ok, hein, étage suivant. Run relativement average pour l'instant, j'ai envie de dire. Alors. Les caves 1, c'est toujours mieux que catacombes. Je m'y sens mieux du reste. Burn Penny, bah tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. J'aimerais à me dire que niveau Ace of Spades, mais c'est quoi ce troll. Il tendrait à dire que pour l'instant, je sais même plus ce que je voulais dire. Vive moi. Oui, pour l'instant, ma run se déroule de façon relativement ok. Plein de pièces. Et plein de bombes, mais ça ne me donne pas de clé. Essaye de choper une clé. Si. Assez vite, s'il te plaît. Assez vite, s'il te plaît, j'ai dit. Assez vite, sinon je vais être obligé de te péter. Flu tu flux, voilà. Me lâche pas toi. J'ai besoin de clé. 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 Il est Bombzarki. Merci le jeu. C'est un vieux dégât tout pourri, je suis désolé. Désolé d'être moi-même. Ah là là. Voilà, récupère des bombes. Grâce à Burn Penny, donc je suis plutôt content d'avoir chopé ma truc Arki là. Ma bombe d'Arky Pills. De toute façon, les bombes, je peux me les refaire. Grâce à Burn Penny. Ah, tiens, une clé. Vraf. Vraf. On joue ping-pong. Ado. Niveau bombe, c'est tranquille, je suis en train de me refaire.
Y avait pas de rocher gris là-dedans. Non. Donc on va aller chercher après. Oh, j'ai mal. J'ai mal. Deux pilules. Bombe Zarki, non, je la prends pas. Balls of Steel, oui. PhD. Parfait, ça c'est bien, ça veut dire bonne pilule. Donc tu as plus de speed down. Dans ma rotation. Attendez, j'ai refait encore une micro coupure. Donc là pour l'instant je vais aller au shop. Merde. D'ailleurs. Cette run est hachée en plein de petits bouts. Et va être haché en plein de petits bouts. Noche taxe. Bon, on va dire que je prends ça. Il reste plus que les boss à faire. Tant que ceci maintenant est une speed up, voilà. Bien, je vais jouer encore un petit peu à la machine à sous. Pas des bombes. Et des clés. Hop, encore une petite. Une pilule. Alors, c'est quoi? Full health. Ah bah, je la garde, celle-là. Je la garde sous le coude. Voilà. Allez, boss. Fistula. Et par contre, maintenant, ce que j'ai grand besoin au niveau de... Ah! Au niveau de... De mes... Oh putain. Allez. J'esquive très mal Fistula aujourd'hui. Et j'ai grand besoin au niveau de mes... Au niveau de... De mon montage, de mon build de personnage. Là c'est clairement... et beaucoup... du damage up. Ah, j'ai très très mal joué. D'habitude... D'habitude Fistula je le gère mieux que ça, là je suis pas très 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 content de moi là. Bon, du tears up, c'est presque du damage up, ça se vaut j'ai envie de dire. Ah, Krampus. Petit bon entraînement pour The Fallen et Satan en général. Hein. Par contre, sortez les chips et la bière parce que là, pour le coup, il va en avoir pour un moment là. Voilà. Ouh, désolé, c'était un peu long. Bref. Je
Je vais aller à la salle maudite en vitesse. Voir s'il n'y a pas un petit pacte ou une petite marque qui traînerait gratos là-haut. Donc comment marche l'Lump of Coal, c'est-à-dire que ça augmente... Enfin, c'est un damage up, déjà, de base, de 0,14. Et, plus 0,14 par frame, c'est-à-dire par temps que ça passe sur l'écran. Donc plus on a de range, plus la larme va loin et plus elle reste à l'écran et plus elle sera puissante. Voilà comment ça marche. Deux pilules, bombe Zarki. Non. J'en ai pas envie, j'en ai pas l'intérêt, j'en ai pas le besoin. Encore, c'était aussi une autre bombe Zarki. Non, je suis bien là, avec mes 7 bombes et mes 11 clés, là, c'est... Je suis bien mis. Allez, hop, étage suivant. Je suis mort une fois dans une salle comme ça. Speed up. Contrairement à beaucoup d'autres joueurs de Binding of Isaac, j'aime bien être rapide. Permet d'esquiver les explosions de comme ça là. De TNT en entrant. Voilà. The World. J'utiliserai plus tard celle-là de carte. Quoique non, je vais garder à full health. Donc je vais utiliser The World maintenant. Hop, comme ça je vois toute la map. Et je refais une coupure. En espérant qu'on se revoit tout à l'heure. Oui, parce que là j'ai carrément coupé tout. Voilà, encore un petit peu. Encore pour une petite partie de run parce que. En fait là vu que je suis pas encore parti. Parce qu'en fait là je vais certainement sortir et aller en ville faire un petit tour parce qu'on est samedi donc pas rester toute l'après-midi ici. J'attends de voir la réponse d'un pote pour sortir. C'est quand même mieux de sortir pas tout seul. Que ça me dérange pas, mais je sais pas si ça vous a déjà fait cette impression. Et quand vous sortez tout seul, on vous regarde de. Vous n'avez pas cette impression qu'on vous regarde de traviole. Là, j'ai un poil de barbe dans la bouche. C'est chiant. Bah, j'ai. Enfin, ce que je raconte n'a ni queue ni tête. Le Small Rock. Ça, c'est une bonne chose. Trois pièces. Ça, c'est une bonne chose aussi. Et hop, j'ai reçu encore un SMS, donc je vais bientôt se dire que je vais bientôt devoir recouper. Ah, une bombe. Hop. Pouf, on va aller à l'item, salle de l'item déjà, mais on reviendra ici je pense. Tout à l'heure ou demain même, je sais pas, on verra. Ah, cette run elle va être rigolote à monter parce que du coup vu qu'elle va être en 15 morceaux. Ah là. Cette orgie. Ah, j'ai des très bons dégâts par contre, là c'est intéressant.
Little Chad. Rien que pour éviter de t'avoir en boss, je te prends. C'est juste pour ça. Parce que soi-disant qu'il fait dropper des cœurs rouges, j'attends encore la confirmation de ça, parce que bizarrement je n'ai jamais vu le moindre cœur rouge droppé par ce con, à part celui-ci. Non, même pas, c'était un coffre. C'est là dans le coffre qu'il y avait le cœur, donc ça vient pas de Little Chad. Donc tu sers à rien, Little Chad, je suis désolé de te le dire. Une bombe pour deux bombes me paraît assez raisonnable comme... Est-ce que je fais le mini-boss? Bon, allez, on le fait. Ultra Pride. La prochaine fois que j'ai une idée comme ça à la con d'aller affronter un boss... On peut juste m'en empêcher? Et le pire, surtout que le pire dans l'histoire, c'est que je veux pas, moi, de Left-End. Même si ça confère beaucoup de choses différentes et intéressantes. Mais j'en veux pas, moi. J'attends que ça gueule. J'ai beau pas avoir d'antenne et entendre les réactions de ceux qui verront cette vidéo, j'entends déjà que ça gueule. Et Mumpers va vous sauver. J'ai acheté la carte des fois que ça aurait été Sun. Parce que The Sun, j'aurais gardé à la place du Full Health, mais bon. J'ai acheté Mumpers, donc du coup j'ai une deuxième place pour un deuxième trinket. Du coup... Je vais chercher The Left End. Et on va faire le boss. Carrion Queen. À choisir, j'aurais peut-être préféré Chad du coup. Ah, espèce de fou d'enfoiré. Je vais pas l'utiliser maintenant, mais bon, tant pis. I guess c'est ma punition pour jouer comme une vraie truffe. Putain, c'est pas possible. Ah zut, j'arrive plus à le toucher. Ah si, ça y est quand même. Ah, il était temps hein. Enfin, y attendre. Bref, mythe. Elf up et puis 0-3 de damage up.
Et avec ça, s'achève cet étage. Hop. Et donc là, je recoupe. Désolé. Alors voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'entre la dernière coupure et maintenant, il s'est passé près de 5 heures. Et j'ai plein de vidéos IRL à mettre en ligne. De la musique festival, tout ça, voilà. Et là, je viens juste de rentrer chez moi et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais pas fini ma run. Donc du coup, ben, run. Run rapide, j'espère, maintenant. Vu que surtout que je ne vois plus très clair, donc ça risque pas d'être long. Hop, The Tower. Je sais pas qui j'étais pas où que je vais utiliser ce truc là, mais. Un coffre rouge. Je sais pas trop si je vais utiliser ça non plus, mais bon. Bah oui, de toute façon, fuit. Forcément, coffre rouge. Forcément, coffre rouge. J'ai pas Scatol, ça me fait chier. J'aimerais bien avoir Scatol dans ce genre de salle. Ça fait plaisir, en général. Ah, je viens de foncer sur une mouche neutre. Dommage. Voilà. Bah non, hein, toujours pas possibilité de... Aïe. Aïe. Hop. Ici, deux pilules. Full health que je vais garder et speed up que je ne vais... pas utilisé. Je suis déjà bien assez rapide comme ça, ouais. Ouais, ça va, c'est correct. Bah, full health, ce jeu, je la garde par contre. On va terminer cette run rapidement et puis après il va falloir que j'encode toutes les belles vidéos que j'ai pris pour vous ce soir. Troll bombe. Ouais, du coup on a une clé ici et un nickel là. Ah, qui vient de lâcher une bombe. Eh putain, j'aurais pas pu esquiver ça 5 fois de suite. Ah là là là. Oh, Judgment. Eh, on va en recoser, mon pio. Piercing Arrow est une. Enfin, Piercing Cupid Arrow est une bonne chose. Étant donné que... voilà. Judgment est une très bonne chose, étant donné que j'ai de la thune et que je vais pouvoir lui donner. Elf, parfait. Machine à soupe, on verra. J'ai déjà terminé la... Mais oh. De où tu te permets? Pendant que je me gratte le nez en plus, espèce de saloperie. Ou l'else, vu que j'en ai une deuxième, je la prends. Voilà. Nécropolis 1 d'ailleurs, je viens de me dire. Il y a encore Nécropolis 2 derrière à assurer.
A peut-être dû attendre avant de la prendre là-bas, ma full elf. J'ai abusé là, j'ai exagéré. On a peut-être dû faire attention. J'ai eu Mart qui est utilisable. Deux pilules. Bombe Zarki et une full health. Je vais utiliser une full health après le boss et je viendrai chercher ma bombe Zarki après. Ici. Gris, super grid. Ok. Il drop le quarter, enfin le quarter, les 25 cents. Bref, et plein de trucs à côté. Et Dead Cat, que je ne veux pas. Et plein de bombes. Merci Burn Pay. Voilà. Je vais chercher après le boss maintenant, c'est le boss qui m'intéresse. Oh bordel de merde! Tiens, la seule secrète. J'aurais limite cherché. Un cœur de fer, parfait. Ça me servira à passer le boss, de toute façon comme d'une autre. Oh ben tiens, allez, on va l'utiliser une fois. C'est mort. Deux fois un demi-cœur. Bon, on va se soigner. Je peux me soigner, c'est parfait. Je me soigne pas, tant pis, c'est pas grave. Donne-moi des pièces, ça me filera des bombes. Ok. Ici, c'est fini. Aïe. Ah là, c'était sûr que j'allais me le bouffer, celui-là. Je l'ai vu arriver. Je me suis dit, celle-là, elle est pour moi. Sinon, il y a Meldon. Bon, en attendant, je me suis pris deux bombes. Guppispo. Je la prends juste pour l'histoire de la prendre. Allons voir qu'est-ce qui traînait ailleurs. Sinon, attendez, il reste un cœur là-haut que j'ai pas pris. Et il y avait une machine. Bah, j'ai perdu le fil de conversation. Enfin, j'ai perdu le sens de la conversation depuis que je suis parti. Vu que ça fait déjà une paire de minutes. C'est quoi? C'est une machine à sous. Bombe Zarki, non merci. Bombe. Yes. Parfait. On va utiliser. J'ai juste que 25, hein, comme. Pas comme d'habitude, je dirais, mais presque. Ah, ça a tout fait péter. C'est parfait. Ensuite, c'était quoi la pile que j'ai laissée là-haut? Bon, je sais que dans la mob trap room, c'était un coffre rouge. Là, c'est un coffre rouge aussi, mais je peux pas y accéder. Et ici, c'était une speed up. C'est vrai. Attends, ça meurt bien. Vu ma vie, je ne prendrai pas Dead Cat, faut pas rêver. Et là, c'est une full health avec une bombe Zarki qui traîne. Et j'ai droit, enfin, je peux me remonter un cœur si j'arrive à passer ici.
Je viens de perdre le bénéfice de ce que j'aurais pu gagner. Tant pis. Au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Tant pis. De toute façon j'ai une full health au cas où pour me soigner. The Fallen. Bon je vais avoir besoin d'un full health, ça c'est sûr. Par contre aussi j'ai de la. Vu que j'ai des bombes, j'ai pas me priver pour les utiliser. Un Krampus, hein, en gros. The Fallen, c'est un Krampus. Bon, c'est pas trop mal passé. Dead Cat, non, merci. Ça fait deux Dead Cat sur le... C'est-à-dire quoi, c'est-à-dire que si je les prends, ça fait quoi, ça me fait 19 vies. Enfin, 18 vies. Là, c'est assez bizarre, ça. C'est le genre de truc qui s'est jamais présenté. Bon, du coup, je me soigne. Hop. Et je prends celle qui traîne là. J'ai pas envie de deux Dead Cat. Je sais pas trop ce que je ferais avec deux Dead Cat. Ça file pas du vivi, puis en plus, ça me fait voler tous mes cœurs. T'as pu me filer autre chose, espèce de connerie de jeu. Enfin bref, tant pis. Allez. The Depths 2. Et donc... boum. Deux troll bombes. Waouh. Quel... Quel comment on dit? Ah merde putain, j'ai marché dessus. Pourtant j'avais fait gaffe de passer le. Ah t'avais envie de mourir comme ça. Ah bon. Il avait envie de mourir le pauvre. J'ai pas pu l'en empêcher. Donc Mom est là. On a pas trop eu à la chercher. Tant mieux. Ici, on a Spelunky Hat. Peut servir. Puis c'est un passif donc. Un Spelunker Hat. Ah putain, ça me gratte le dos. Enfin bref, là du coup, bon voilà, Spelunker Hat. J'aurais pu m'en douter que la salle secrète était là. Pas besoin de toi en fait pour me le dire. Bon, j'ai joué 4 pièces. Une pilule. iPhone pile qui sert à rien. Quoi d'autre? Un petit cœur pour me soigner. Une clé. Bon, mettons. Une pièce. Vas-y, try again. Ok. Meurs. Umbilical cord, non. Non, non, clairement pas. J'ai entendu ce que ça faisait comme effet dernièrement, mais je sais plus exactement. Donc j'ai pas envie de dire de conneries. Bon, j'ai assez de bombes et assez de clés pour m'occuper de ça. Deux cœurs de fer, c'est bien. Je prends. J'ai pris d'ailleurs. On peut le voir, c'est. Ah ouf. Ah, ah. J'ai pris un dégât débile aussi, au passage. J'aurais aimé avoir Scatol là, sur ce coup-là. Je vais bien vous l'avouer. Le fait de pas pouvoir faire peur aux mouches, ça fait chier. Un cœur. Bon, Yomart est utilisable, donc je le prends. Ah, merci, Little Chad, pour ton demi-cœur qui sert à rien pour l'instant, mais qui pourra peut-être servir tout à l'heure, donc je ne dis rien.
Bon, c'est plutôt mal barré là. Je me prends des dégâts vraiment, vraiment, vraiment trop ridicules quoi. Mais le pire, c'est que j'essaye de les esquiver sous ces dégâts-là, mais j'y arrive pas. C'est impressionnant. Bon, on a le shop. Je vais y aller évidemment. Hein. Un cœur de fer, c'est bien. Batterie, je vais la prendre. Là, je vais prendre ça et je vais prendre ça. Voilà. Ça augmentera la vitesse de recharge de mon Yeomart. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Coffre encore rouge, je sais pas. C'est toujours le qui tout double les coffres rouges comme ça, surtout dans les salles mob trap room de cet étage. Donc là du coup j'ai déjà fait toute la. J'ai fait tout l'étage. Et je pense qu'on va continuer. Je cherche. En fait, ce qui me retiendrait peut-être de continuer, ce serait peut-être de choper un téléport ou un truc comme ça. Une télépile ou une carte qui pourrait me permettre de me téléporter après le combat contre Mom. Mais il n'y a pas de ça, donc forcément, bon bah allez, on y va. On est go. Magi contre Mom. C'est une reine Mom. Je l'ai pas évité. Que je regarde un peu plus. Ah putain, chaque fois qu'elle fait le qu'elle tire, ça me déconcentre. Et du coup, j'évite pas les. Ah bordel. Ah bordel, mais elle m'a désynchronisé total. Ah oh, mais c'est complètement con de se prendre des dégâts pareils. Pitié. Mais je me fais avoir à chaque fois. Hein. Chaque fois elle tire et je me fais avoir. Arrête de te marrer. Tu me feras plaisir. D'arrêter de rire. Quand je t'aurais tué. Saloperie. Pigeon Boy, bon, un peu d'argent en plus. Quelques bons en plus. 15 partout, balle au centre. Or the Womb. Oh. Hop, je sors, je re-rentre, je me barre, je me pousse, tiens, fais péter ça aussi, y'a rien du tout, tant pis. Reste plus que 3 cœurs, c'est la merde. Je me prends les dégâts alors même que je dois recharger ma. Mon Yeomart, c'est pas bon ça.
Ah bordel, ça c'est genre de dégâts qui coûtent une run quoi. Ah bordel de merde, je suis trop pressé. J'étais trop bourrin. Fuck my life. Il reste plus qu'un cœur. J'arriverai pas à survivre. Pas rêver. Il faut pas rêver. Et pas un petit cœur de vie qui traîne, putain de merde. Ah. Rien du tout. Et de ces deux-là. Que poète. C'est pas avec un cœur que je m'en sortirai. Le Joker. quitte à crever, j'ai envie de dire autant crever avec la classe. Ah bon? Ils prennent pas les cœurs vides, ils prennent les cœurs vides. Enfin, ils prennent les cœurs vides, ils prennent les cœurs pleins, pas les cœurs vides. Ah mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, drôle de fin. Ah, c'est pas 55, à plus tard.